ピエールスライダーキャノンシュートだ。Hey les amis, c'est Letko, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Franchement, l'écran titre, il déchire sa race. Regardez-moi les petites les illustrations du manga. Magnifique. On voit le Yuga Time Attack. Ouais, on voit la fin de Junior Youth. Shinsubasa par exemple. Non, franchement, magnifique. Et le Tsubasa. Magnifique World Juice, par contre sans le maillot officiel Adidas. De toute façon l'Adidas est terminé. Allez, on y va. Donc beaucoup de news à avoir aujourd'hui. Le nouveau Napoléon Dream Collection qui va tuer tous les Shimazu, surtout le Shimazu Fest, parce qu'il a du potentiel, il a le level du potentiel qui peut être assez destructeur pour ouais si tu veux pour Shimazu et les Jap. Bon, ça, c'est un tir qu'on connaît. Malheureusement, il n'a pas un nouveau tir. Si tu as un doublon du Fest, tu peux lui mettre le tir. Un tir supplémentaire, ça peut être sympa. Comme ça, tu ne dépends pas de pierre. Ok, donc en write-up, on a le Brolin, le Matsuyama et le Sawada bleu. Allez, beaucoup de news à voir aujourd'hui. Il y a des portails qui ont refait leur apparition, le portail asiatique. Le portail World Juice 97 qui est revenu. Donc au bout de 3 multi, la 4ème est offerte. Donc pour ceux qui ont raté l'anniversaire, et ben séance de rattrapage. C'est un peu comme le brevet ou le baccalauréat. C'est un peu ça. Donc voilà, le Napoléon. Donc tire par contre qui vous voilà. Il vous voit absolument le pierre. 15% face au Jap. On va voir ça tout à l'heure, on va détailler tout ça. Alors, il prend. Non, il débuffe tous les Wakashimazu de 5%. Moins il a d'endurance et plus ses paramètres augmentent. C'est un passif que j'aime pas trop, moi. Personnellement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime pas trop. Et c'est un tueur de vitesse. Tu vois ce que je veux dire? Wakashimazu, bleu, il tue tous les bleus. Bon, courage, ça j'aime bien. Et mettre de la surface. Donc, s'il est dans la surface, on va dire, il est en full power. On va dire, il a un crit doré. Wakashimazu, il est mort. Wakashimazu, il est complètement mort. Bon, ceux-là, on les connaît un petit peu. Vous les connaissez, à pas de soucis. Hop. Le Dream Championship. Et de retour, donc c'est la dernière séance de qualification pour aller à Tokyo. Là, on a les récompenses quotidiennes d'été pendant 15 jours. Pourquoi mettre autre, c'est à dire quoi ça? Autre, d'accord. Ouais, mais ils disent pas combien de dB ils donnent. Si, non, autre, j'ai pas compris, ça veut dire quoi autre? Quoi, c'est aléatoire, ça veut dire qu'on donne des démons, on sait pas combien on donne. D'accord. Vous avez remarqué les nouvelles pièces, les pièces soleil. Non, ça va être les pièces qu'on va récolter durant le. Durant l'event à farm. Le petit ticket rose que vous avez vu, que vous voyez au jour 2, ça va vous permettre de reset le LB, le limit break. Si vous êtes trompé sur un joueur, et ben Clap vous a entendu pour limite, pour reset, pour recommencer le limit break. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez fait un peu n'importe quoi sur un joueur, vous voulez donner plus de passes ou plus de tirs ou ce que vous voulez, remodifier votre joueur, et ben ça y est, voilà. Clap vous a entendu, n'est-ce pas, Edmond écoute. Touchez l'écran. Ah d'accord, donc c'est au hasard, c'est ça, autre c'est au hasard. Donc j'ai eu une Dream Ball. Et deux ballons de restauration avec, je crois que ça s'appelle Maki. Comment ça s'appelle déjà elle? Ah, j'ai oublié. Maki, je crois, non? Aki ou Maki? La copine de Yuga. Ok. Donc là, les cadeaux, ça, normalement, c'est le PVP.
Alors, dysfonctionnement, ok. Donc le PVP, normalement, je n'aurais pas, malheureusement, j'ai pas été bien classé pour le Misaki. Les mecs jouent leur vie à chaque fois. Donc on va pas se prendre la tête. On prend toutes les récompenses. Oui, voilà. 400, 450 matchs en PVP. Puis là, ça va vite, hein, déjà. Pourtant, je suis pas un gros farmer de PVP. Je suis pas un gros, gros, gros joueur. Alors, hop, info. Donc, comme j'ai dit, beaucoup de portails là. Là, c'est un peu la fête au village en termes de portails. Tout le monde est content. Donc voilà. Donc qualification préliminaire en ligne de juillet. Donc c'est la dernière. Si vous voulez faire le Ultimate Championship, c'est maintenant, les gars. C'est maintenant, c'est maintenant. Éveil du potentiel du Santana. Gratuit. Je crois que c'est le B60, non? Ou c'est le. C'est celui qui donne la retournée. Ouais, non, c'est celui qui donne la retournée. Alors. Il donne. Face au bleu, il prend un paramètre plus 1%. Il donne à tous les Sudames 7%. Il résiste au terrain cabossé. Ça, c'est pas. Ça peut être pas mal pour certains. Event, placeur de ballon haut, il augmente tous les sudames de 1%, intensité technique spéciale, donc il rajoute 25% quand il y a un ballon haut, donc 100%, donc c'est vraiment le c'est une sorte de Margas brésilien, quoi. Et il tue tous les Muller. Choisis coup de poing. Donc faut pas que je choisisse coup de poing. Donc ok. Ouais. Faut voir avec quel event ça peut être sympa pour lui. Donc voilà. Donc la période d'entraînement, gros favori de super succès. Donc si vous voulez entraîner votre joueur, c'est maintenant, les amis. Et aussi pour avoir les exercices pour les médailles rouges, bleues et vert. Et plus les médailles potentielles. Je crois qu'on a fait à peu près le tour on va aller voir le Napoléon qui a exactement la même carte que le premier pierre bleu du début du jeu. Donc regardez les deux cartes, vous allez voir, ça se ressemble énormément. Si les deux cartes sont ensemble, je vous montrer. Regardez bien, hop. Donc ça c'est tous les jobs. Ah, ils sont là. Regardez bien Pierre, hein. Regardez bien Pierre, hop, ça c'est le Pierre potentiel, le gratuit. Hop. Donc moi je l'ai, hein. Ah, il est là. Vous voyez bien. Hop. Vous voyez bien la carte. Regardez bien la carte. On revient. On revient. Napoléon. Pas celui-là, bien évidemment. Ça c'est le Fest. Et voilà. C'est un copier-coller. Sauf que tu as juste changé la tête. Voilà. La même expression du visage. Donc là, je vous ai mis la carte potentielle. Donc full potentiel. Hein. Je ne vous ai pas mis la carte UR Max. Là, comme ça, au moins, de toute façon, je pense que tout le monde va essayer d'avoir le full. Enfin, tout le monde va faire le full le potentiel. Si tu veux tuer les Napoléons, si tu joues, bien évidemment, Europe, comme mon ami Atsushi. Tu joues non Jap, c'est un joueur, je pense qu'il va falloir faire all-in dessus. Hein. Si tu veux tuer les Japs, il va falloir faire all-in, les mecs. Il est vert, 1121 d'endurance, c'est énormissime. C'est énorme, c'est un truc de fou furieux. 21 035 d'attaque, 5050 dribbles, voilà. 8110 en tir, c'est un fou en tir. 7004 en passe, très très bien, très très grand passe. Donc là, tu peux lui, oui, là tu lui colles, tu fais le 1-2 avec Pierre. Normalement, ça devrait passer à part. Si tu tombes contre un gros intercepteur type Karlsfest ou le Levin bleu, voire le Sawada World Youth 97. 12 720 en défense, donc à part l'interception, le reste est extrêmement faible. Physique 17 118, 5 128 en rapidité, 6 365
Un petit peu faible en puissance, mais ça va, ça va, ça va. Et 5625 en technicité, balle haute, balle bas, normal. Donc il donne à tous les non-jab, donc Europe, Europe ou Sud-Am ou ce que tu veux, 10%. Donc très bien. Et il tue tous les Japs, plus 15% face aux Japs. Donc ça veut dire, si tu lui mets tous les leader skills, par exemple Europe, plus son passif, ça peut faire extrêmement mal. Hein. Quand vous avez vu, il a 8000 de tir, ça peut monter très 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 vite. Hein. Ça peut faire très très mal. Il a un tir boulet de canon glissant avec pierre. Donc attendez, je vois qu'il y a une spécialité. Qu'est-ce qu'il fait? Il éjecte, ouais, il éjecte juste deux adversaires. Voilà, il éjecte deux adversaires. Dribble ligne droite S et attaque de tour Eiffel A. Donc il faut absolument la monter à 80 si vous voulez qu'elle soit viable face à des gros joueurs. Voilà. Et comme je disais au début de la vidéo, si tu as un Napoléon fesse doublon, il faut lui mettre le tir. T'as pas le choix. Mets-lui un tir, comme c'est pour attirer tout seul. On en avait parlé avec les mecs de Club lors du Dream Championship à la fin. Et ce qui serait bien, c'est qu'on puisse changer la technique principale, sans sacrifier les joueurs, bien évidemment, de mettre la TS qu'on a envie. Donc peut-être qu'ils y réfléchissent, peut-être qu'ils ont pris en compte ce qu'on a dit, je ne sais pas. D'ailleurs, en Dream Championship, franchement, tout s'est bien passé. On a vraiment kiffé, surkiffé avec la communauté, on a bien discuté. Moi j'ai pris du plaisir à parler avec tout le monde. Franchement c'était nickel, c'était nickel. Bon à part la finale, dommage pour l'Ethan, on était tous derrière toi. Bravo à BGI. Espérons qu'il nous ramène la coupe à la maison, ce serait sympa. Et voilà. Non franchement ça a été un super event. Voilà franchement bien, bien. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Donc comme je disais, il tue tous les Shimazu de moins 5%. S'il lui reste un de stam, il peut utiliser une TS, une spé, n'importe laquelle. Moins il a de spé et plus ses paramètres augmentent, maximum jusqu'à 10%. Et d'en mettre dans la surface, il prend 7% supplémentaire quand il est dans la surface. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte du passif qu'il a. Et c'est un tueur. Tueur dans un duel type bleu. Donc ça veut dire. Ouais, donc il prend. Endurance. Donc ça veut dire qu'il. Quand un joueur va être face à lui, s'il fait un tacle. Un tacle, il utilise un tacle. Une TS de tacle ou une TS d'interception, il va dépenser plus 30% du coût de sa SP. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est un joueur qui va faire très très. Ouais, frappeur fou furieux. Voilà, c'est un fou furieux. C'est une bonne description du joueur. Non, franchement, il est ouf. Il est ouf, le Napoléon Dream Collection. Il est ouf. Surtout quand je dis, comme je l'ai dit tout à l'heure, si tu joues Europe. Si tu joues Europe, il est ouf. Il est vraiment titulaire maintenant. Pour moi, il a même dépassé le Napoléon Fest maintenant. Là, comme ça, là. Avec l'élevé du potentiel et tout, si tu veux tuer des Japs, indispensable. Indispensable. Donc, voili-voilou. On a appris, je ne sais pas si c'est officiel ou pas, qu'apparemment la Glo et la Jap pourraient jouer ensemble. Ce serait bien. Apparemment, ce serait ponctuel, on dirait que ce serait ponctuel, ou. C'est pas définitif, donc ce serait bien. Comme ça, quand il y aura des events sur Paris, IRL, je sais qu'il y en a qui jouent Jap, comme Zawa, bah, ce serait bien que tout le monde soit, comment dire, soit convié pour participer au tournoi, ce serait vraiment génial. On va regarder encore dans Info. On a des tickets, je crois, on a un ticket SR Plus par jour pendant 19 jours. Donc on va compter, hein, on va compter. Ça c'est la campagne. Ah oui, l'event. Il y a l'event. Il y a le nouvel event Summer, je sais pas quoi.
On va voir peut-être la boutique, qu'est-ce qu'il y a. Parce qu'il y a une nouvelle boutique, apparemment, il y a des formations. Hop. Alors. Donc, les Français encore jusqu'au 26, vous avez le temps. Hein. Même si le temps passe vite, vous avez encore un peu le temps pour terminer les Français. Pierre, Bossy et Amoreau. On va regarder un peu ce qu'il y a. Ok. D'accord. Donc l'event est là. Ça, c'est d'accord. Donc ça, c'est une fois par jour. Ce qui est tout à gauche. Et ça, c'est d'accord. Ok. On va aller voir le marché. Alors, Nita tire du faucon ex. D'accord, on connaît. Brian Crawford frappe direct. Tire briseur à ex. Je crois que si, je crois qu'il il a l'air d'être nouveau celui-là, si je dis pas de bêtises. Tacle du Kaiser ex. D'accord, je crois qu'on connaît. Naturezza, duo de rêve, on connaît. Le Misaki, on le connaît aussi. Le Diaz aussi, ok, d'accord. Item. Alors, le ticket SSR garanti, il va falloir 50 pièces soleil doré, complètement doré. Ça, c'est pas facile à voir parce que vous voyez que les pièces se ressemblent un petit peu. Donc, il faut vraiment que ce soit tout jaune, quoi. Il faut que la pièce soit toute jaune. Là, c'est, t'en as une, elle est grise, jaune grise et jaune bronze. Ticket de retrait 10, d'accord. Des soldes pour les. D'accord, ok. Donc pendant 17 jours, il reste l'événement. Donc ça, c'est bien. Donc des ballons SR, des ballons SSR, des ballons pour Tsubasa, pour Müller, pour Wakabayashi, pour Yuga, pour Ivaro, pour Gentile, Misaki, Galvan, Pierre, Napoléon, Vulcan, Diaz, Cruyff, Pasquale. Ok. Et des coachs, d'accord, des coachs multi, offensifs, défensifs, physique, parade et des carnets. Donc sympatoche, c'est pas mal, c'est sympa, c'est sympa. Apparemment, j'ai vu sur Twitter qu'il y a apparemment les joueurs Android, Android, pardon, excusez-moi, Apple vont avoir peut-être un maillot exclusif. Donc, je sais pas si nous on va avoir le droit pour Android. J'ai rencontré un mec cette nuit avec le maillot noir Android là. Apparemment, il n'y a que sur le store Hong Kong que tu peux l'avoir. Donc voilà. 650 pièces d'or pour débloquer des formations. Donc voilà. Par exemple, on va voir les premières formations. Par exemple, celle-là, offensive S. Donc joueur, ah ouais, joueur européen, attaque plus 10. Donc, Atsushi, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Milieu offensif, attaque plus 10. Non. Attaquant et gardien, probabilité de crit. Hop, merci Hakim. Probabilité. X2. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Celle-là peut être pas mal. Même si c'est pas la formation que j'aime jouer. Et la dernière, joueur japonais, physique plus 10. Donc voilà. Franchement, il y en a pour tous les goûts. Voilà. Si tu joues Jap, ce serait peut-être celle-là qu'il va falloir t'orienter. Si tu joues, on va dire un petit peu hybride, un petit peu tout mélangé, celle-là peut être sympa. Et bien évidemment, si tu joues. Alors attends, que je fasse pendant. Voilà, mon milieu offensif. Je pense que. Elle est pas tr... Je pense pas qu'elle est intéressante celle-là. C'est vrai que le milieu est assez fourni. Il y a juste un milieu défensif et quatre milieux offensifs. Ouais, je sais pas. Moi, par contre, celle-là est vraiment intéressante. Ça, c'est vraiment très intéressant. Par contre, t'as un seul attaquant. Donc, ce sera très certainement le Schneider Fest devant. Et t'as trois milieux offensifs, deux milieux def. Donc, forcément, les deux milieux def, les meilleurs en ce moment, c'est le Kals. Fest, voire peut-être le Cals Dreamco, qui est pas mal pour tous les jeux, pour tous les joueurs World Youth. Donc voilà, la meilleure, je pense que la meilleure paire de milieu défensif, ce sera Cals Fest et
comment il s'appelle. Et le Levin bleu, voire même le Levin vert, le nouveau, full potentiel. Il a une interception auto. Donc voilà, attaque plus 10%. Faut voir. Faut voir. Donc là, c'est tous les. D'accord. Donc ça, c'est après, c'est les. C'est les autres formations. Voilà. Par exemple, là, c'est ça donne quoi? Que 3%. Voilà. Et l'autre, je crois, c'est 10. Voilà. Hop, allez, là, ah, 10. Non, 5. Non, pardon. 10, c'était la gold. Voilà. Ah, ils sont revenus, les. D'accord. Les maillots festival de l'année dernière sont revenus. D'accord. 2018, ils sont revenus aussi. D'accord. Ça aurait été sympa qu'ils fassent des nouveaux, mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ok. On va faire craquer le ticket SR Plus gratuit. Voilà, il est là. Le Dreamco, il est là. Il dure combien de tours? 3 jours. Donc, à vous de voir, les amis. À vous de voir si ça vaut le coup pour vous ou pas. N'invoquez pas si vous n'avez pas besoin de lui. Si vous jouez Jap, ça sert à rien d'invoquer, les gars. Ça ne sert à rien. Hop. Allez. Allez, un petit SSR, ça serait génial. Mais j'y crois pas trop. Ah. J'y ai cru. J'y ai cru. Non, il manque un joueur. Allez, un SR qui pourrait m'être utile. Qu'est-ce qu'il donne, le Alberto? Que coulissant, ouais, ça va. Bon, les amis, je pense qu'on a fait à peu près le tour. J'espère ne rien avoir oublié. Pour résumer un petit peu, le Napoléon est ouf dans une team Europe, indispensable. Le Dream Championship, premier tour, 3 victoires. Après, tu passes au deuxième tour, il faut être dans le vert. Si tu veux être tiré au sort, je crois que c'est ça, hein, normalement ça doit être ça. Et comment dire, et voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Encore 6 jours pour le portail suédois. Très certainement, il y aura un portail allemand, ça j'en suis intimement convaincu. Et le Dreamfest, on verra. Moi je tablerai sur du brésilien, on verra. Je vous laisse, je vous kiffe et je vous dis à très 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 bientôt pour une nouvelle vidéo sur Captain Sora Dream Team. Ciao.